L'EPP, c'est l'entretien prénatal précoce qui doit être proposé en général au cours du premier trimestre. Il se déroule en général au cours du quatrième mois, individuellement ou en couple. Alors, la plupart du temps, il est fait par les sages-femmes, mais il peut aussi être réalisé par le médecin. En général, il dure 45 minutes. Donc, il s'agit d'un long échange pour apprendre à se connaître. Ça permet un peu de savoir quelles sont les attentes de la femme enceinte, ses projets, quelles sont ses envies. Et ça permet aussi de pouvoir, du coup, si on décèle ensemble certaines difficultés, de pouvoir orienter vers d'autres professionnels ou vers d'autres associations qui peuvent la soutenir. Les associations, elles sont là avec ce souci justement d'informer le plus complètement possible. En complément du personnel de santé, on fait équipe. Quand on va voir des responsables d'associations, c'est avant tout des parents. Et donc, on a un échange privilégié avec les parents. Il y a peut-être plus de confidences, il y a peut-être des questions Voilà. qu'on ose poser là. On se sent en fait dans un partage d'expérience. La force des réseaux de santé en périnatalité, c'est de faire en sorte que personne ne soit seul. Pour les usagers, l'intérêt des réseaux, c'est d'aller y chercher de l'information.